Naoz. Drakan. Oulala. Ça, c'est mauvais signe. Drakan, les gars, c'est mauvais signe. On va devoir le virer. YouTube.com. Oh, j'ai envie de cliquer sur le lien. Orax. Tiens, je t'envoie le lien. 5000 bits, Kikor. Oh, oui. Tiens, Orax. Tu peux me dire si c'est. C'est sa chaîne YouTube. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. Enfin, après, save, j'ai la poche que là, c'est du Fortnite quoi. Attends, il y a un edit. Faut faire gaffe quand même à une vidéo. Comment ça, une vidéo? Il y a le N-word dessus. Oh merde! Avec la miniature? Avec la miniature, c'est ça? Oui. Je peux pas voir le live ce soir, alors accepte ces 1500 bits. Bon live, chat et l'homme. Loclear, W, Loclear. Frérot, les miniatures sont bien. Hein. Honnêtement, mec, je vais te dire un truc. Cette miniature, je l'aime bien. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, j'aurais mis un autre background, mais sinon, elle est bien. Important Twitch. Ok, mais rouge sur rouge, faire gaffe à ça. Défi sans viseur sur Fortnite. C'est Naoz, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais considérer ça comme la première vidéo de ma chaîne parce que j'arrête pas de reprendre les vidéos et tout ça, donc Attends, c'est lui qui est au bout là? Ah non, lui il est pas au bout là. Honnêtement, genre, ces minias sont pas dégueux, quoi. Tu vois? Naoz. Tu peux mieux faire. Bon, t'as beaucoup écrit, t'as de la chance. 10007 bits. Tikis, les gars. Vous régalez, les gars. En ces grandes vacances, bordel. Dans ces grandes vacances. Démunis de contenu, vous rigolez. Régalez. Régalez. Merci Dricky pour le Twitch Prime, Doit Savage, 12 mois, Teneratsuna, merci 9 mois, merci, t'es un malade, hein. Vous êtes des fous les gars. Hein. Hey Tikiz, tu sais que ça m'impressionne même plus. En fait, c'est ça le problème, c'est que si ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais été excité, tu vois. Mais quand je vois que c'est toi et tout, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois. Hey Torect, tu vois par exemple, Torect, ça m'impressionne beaucoup plus, tu vois. Merci mon frérot, t'as l'amour, merci pour les 10 000 bits, t'as l'amour mon pote. C'est quoi le bordel? Merci mon pote, merci beaucoup mon vieux pour les 10 000 bits, merci mon pote. Et Seik Pastrono, 13 mois, Lewis Cross, 6 mois, Dricky Twitch Prime, merci les gars, vous régalez. Omnes, Twitch Prime, Tiraz, Tirax, 12 mois, merci les gars. Vous régalez, bande de malades. Bon, ça lag, toutes mes condoléances pour la loutre, je suis ban pour rien, c'est vrai. Il a dit ça lag, ça m'énervait. Les gars, on va pas retrouver des mecs qu'on a ban quand ils disaient ça lag, hein. Si, niquez tous vos mères. C'est peut-être mon message préféré du chat, vraiment. Ça fait partie de mon plan, bande de losers. Oh non! Son plan machiavélique. Il nous a eu, les modos. Il vous a eu? Merde. Du bait. Abracadabra, zizi pompon, excusez-moi fort. Prègue-moi Chibrox. C'était un tour de magie ce qu'il a fait. Incroyable tour de magie. Tu as disparu de mon chat en temps réel.
Maintenant, s'il pouvait faire le tour de magie du Prime. Ah oui, ce serait bien, ouais. Ce serait bien le tour de magie. L'autre tour de magie, là, qui permet de me faire rouler en. De me faire rouler en. En McLaren, quoi. Tu sais. Peut-être t'as des gens, ils me font rouler en BMW. Et t'as des gens. Regardez, il y a des gens comme Pulsy qui veulent que je roule en McLaren. Mais tout le reste. Ça les dérange pas que je roule en BMW X5. Hein? Je peux même pas rouler en BMW X7. Elle arrive quand la 720S. Ah ouais? C'est ce que je me pose comme question. Je me pose cette question chaque jour. Merci mon amour pour les 10 000 bits. C'était un amour, mon vieux. Stale-toi, mon vieux. Stale-toi. Stale-toi. Stale-toi, mon vieux. Stale-toi. Stale-toi. Ok. Safer Twitch Prime, merci Flixios pour les 500 bits. Merci Tikis pour les 10 000 bits. Soko pour les 300 bits. Nicolas pour les 3500 bits. Mais bande de malades là! Il me faut une autre. Il me faut une autre. Il y a quoi d'autre comme chanson Fortnite? I finished the show and I hop in it. I got me a millie, I did it legitly. I'm still with the I'm hot. I'm hot. Fly her across the country. I finished the show and I hop in it. I got me a millie, I did it legitly. I'm still with the I'm hot. I'm hot. Wanna see me do my dance in these $1,000 pants? Don't disrespect me and my mans. Hold on. 10 007 bits encore. Hein. T'es un malade. Vous êtes des malades. Nipléon, 1000 bits. Blink J, Twitch Prime, Trans. Tantris, 1000 bits, les gars, stop! Vous êtes fous! Vous corromputez! Vous corrompu mon contenu! Le vrai Bébito, 13 mois, Migal, 3 mois, merci mon vieux! Comment je dis vous corrompez? Vous corrompez? Vous corromputez mon contenu? DMCA, il est dans ce Fortnite, c'est DMCA, les gars? Non, tu rigoles! Les dans ce Fortnite, c'est DMCA? Ok, poursuivons. Je suis live sur Twitch, rejoignez-moi. Je suis sincèrement désolé pour la pub. Ok, vas-y. On m'amusait. Attends, c'est quoi l'excuse? On s'amusait avec un pote à moi à faire comme les streamers. Mais comme il n'y avait personne sur son live, je voulais juste ramener 2-3 personnes pour rigoler. Désolé, je vous promets que je ne recommencerai plus. Merde. Attends, c'est quoi ça? C'est la chaîne du mec? Eh, viens, je link la chaîne du mec. Attends, ça c'est la chaîne d'un mec. Viens, je link la chaîne de Naoz à chaque fois. Pub. C'est de la merde. T'es nul à Fortnite, MDR, le montage dégueu. Spam des lettres random. Locke, fais-moi un bisou, j'adore ta voix. Elle me fait 3 petits points. Viens vite dans mon lit. Twitch Prime, je t'attends avec impatience, ma banque. Ok, petit pour les 5000 bits. Merci les gars, vous régalez là-haut. G-Star, tier 1, Legon, 12 mois, Slizo, 28 mois. Oh merde, s'il est mineur. Oh merde, s'il est mineur. Oh non, ça y est. Ça y est, je l'ai faite, cette erreur. Ça y est. Ça y est, j'ai fait l'erreur. Ça y est, je l'ai faite. Ça y est. Clip hors contexte. Ça y est. Non, non, je n'ai même pas besoin de hors contexte, là. Ça y est. Ça y est, je finis en tôle.
Ça y est. Twitter. Ça y est. Ça y est, je l'ai faite l'erreur. Ça y est. Et si ce mec est mineur, je suis mort. C'est fini? C'est fini, gars? C'est fini? Venez me suivre sur mes lives. Je ne savais pas qu'il n'avait pas le droit. C'est juste que je n'arrive pas. Je suis désolé. Yo yo, il a écrit deux fois yo. Il écrit yo yo. Ok, vas-y. Donner un Oscar à cet homme. J'ai déjà un Oscar, hein, frérot. J'ai déjà un Oscar. Il est juste là, frérot. Hein, et regarde, dès que je le sors, tiens, dès que je le descends, tiens. Dès que je le ramène, tiens, c'est instantané. C'est une détection de caméra que Sylvanus avait mis au point. Donc on a mis une puce NFC là-dedans. Bon, parfois elle bug un petit peu, mais vous voyez, c'est hop, dès que je la montre à la caméra. Merci, merci, je sais, oui, merci, 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 meilleur Avengers, allez, c'est moi. Dernière fois ? Ouais, mais allez, c'est pas toi qui décide. Ok, les modos, je vous encule. Comment ça, tu bannes Comment ça, Bobby, tu bannes ? Pourquoi, Bobby, tu bannes ? Il a rien dit de mal ? Ah, désolé, les modos, Locke ne lit jamais les chats. Ça m'énerve, désolé. Torek pour les 10 000 bits. Non mais. Ça non, mais comment Fortnite a du DMCA les gars, ils sont cons ou pas? Merde, je suis DMCA, merde, double ban, putain, je suis, ça y est, tout le monde a découvert, je suis pédophile et DMCA, oh merde. Je devrais pas blaguer avec ça, je devrais pas. Momilito, merci du Twitch Prime, pote, le beau jour, 5 mois. Oui, j'ai passé une belle journée. Et il a lu le message, les gars. Il y a un mec qu'on vient de déban qui s'appelait Le Bonjour et il vient de resub, les gars. C'est beau, c'est beau. Merci Torek pour les 10 000 bits. C'est un malade mental, toi. Hein. Toi, t'es un malade mental. Et tu l'as pulvérisé, le cher Kusana Nokawa. Ça fait quoi de pulvériser un modo? Il peut rien dire. Hein? Regarde. Désolé, je vous aime en fait, mais Locke lit ce message. Putain, tu ressembles à un pied de biche. C'est les modos qui m'ont prank là. Vous m'avez pranké? Même pas, même pas. Merci à MJ Pack pour les 2 mois, Sectum 22 mois. Merci. Comment ça je ressemble à un pied de biche? C'est la première fois qu'on me dit ça, ça me blesse. D'habitude on me dit jambes de coq ou des trucs comme ça, tu sais. Mais comment ça je ressemble à un pied de biche, frérot? Ça me blesse, ça veut dire que je suis tordu, je suis voûté en haut et voûté en bas. T'es là, Tao, merci. Twitch Prime, mon pote. Merci, mon vieux. Bienvenue à toi. Kindex a raison, tu peux faire des barrières avec des bâtons. Pierre brute, la pierre base, pierre de base pour moudre. W2, pierre blanche, non aiguisée. Pourquoi j'ai demandé le ban?
C'était un conseil, j'ai 100 heures de jeu dessus, merci. Wow. Ah, c'était peut-être un spoil, quoi. Bon. Je lui mets quand même la chaîne de Neoz, on sait jamais. Météor plus Corpse. Non, il a raison, ça devait dodge. Il a raison. Il y a erreur. Il l'a compris que j'étais d'accord. Tu veux le contexte de elle ou pas? Attends, je vais lire et ensuite. Il a compris que j'étais d'accord avec le mec qui disait que Locke avait tort. Mais pas du tout, j'étais en mode Locke a raison. Ça se voit avec mes messages avant. Non, mais il a raison, ça devait dodge. Et tous les messages what the fuck, parce que je sais que normalement il devait dodge. Bon, alors il n'y a pas de contexte, c'est bon, hein, il avait raison. Et moi j'avais raison. Quand il dit que j'avais raison, généralement c'est qu'il a raison quoi. Généralement, quand vous dites que j'ai raison bah, et que je vous banne, c'est pas normal. Ok. Bonjour, je ne savais pas que c'était interdit. C'est juste pour un ami. Et vous me cassez les couilles, putain! Va linker la chaîne de merde. Chaîne de merde de ton pote. Ailleurs. STP. Voilà. 2 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
est mon seul objectif de vie. Superficiel et matrixé par l'argent. Donne tout STP. Je me permets de dire un peu la vérité à mes viewers. Voilà, je suis proche de ma communauté. Hein ? Donne ta thune ! Threshold, 24 mois, Thaïs, 11 mois, tier 3, voilà ! Merci Darkool pour les 11 mois. Rentachi, 2 mois, merci mon vieux. 128 versus 128, non putain, nul, nul de ouf frère, balaye. Tu lis que le mauvais message, je demande justice. C'est vrai, tous les autres messages que t'as écrits sont positifs. Skylock, go Fortnite, laisse tomber Overwatch. Ah, il a linké sa chaîne Twitch, Gizmo TV et The Flow Boss. Mazaria est meilleur que toi. Pas de pub de chaîne de merde sur mon Twitch. Sauf si t'es sub. Si vous êtes sub, vous avez le droit de faire votre pub. Attendez, le gars, il faut bien qu'ils aient des bénéfs. Ces pauvres subs, il faut bien qu'ils aient du bénéf. Les gars, ces pauvres subs, ayez pitié de ces subs. Il faut bien qu'ils aient du bénéf. Hein ? Faites votre pub. Hamza Goth, 6 mois, Fawa, merci mon pote, 15 mois mon pote, Décavid, 6 mois, merci mon vieux, Evan, Twitch Prime, merci mon vieux, c'est à toi, hein ? Tu veux faire ta pub, tu t'abonnes. 10 sub tier 3 les gars, hey, là il y a Théaz qui vient d'offrir 10 sub tier 3. Qui a reçu un tier 3 les gars? Ça c'est incroyable, 10 sub tier 3 les gars. Qui a reçu un tier 3 là? Je vais vous dire qui est les dormeurs du chat là. 10 sub tier 3 les gars. Alors il y a Evinors TV, Titouni, Ferrero Bueno, The Ordinaire, Flav 910, Dynamite 355, Diamanta, Kitin, Kokesix, Kitnit TV, qui ont eu un tier 3 les gars. Tier 3 les gars. Waouh, merci mon vieux, t'es un amour. Nipéléon, merci pour les 3 mois. Merci I'm the Goat, 6 mois. Stallez-vous bande de fous. Vous êtes très excités j'ai l'impression. Hein mais c'était pour rire le clear, pour rigoler, désolé. C'est quoi ce clip? Oula le clear. Et voilà. Et toi, t'es où? C'est un clip hors contexte. Attention, c'est un clip hors contexte. Dans ton cul. Je suis dans ton cul, mon frérot. En train de chier dans ton cul. Ok. Alors, le problème, c'est que ce monsieur était mineur. Et du coup, encore une fois, je suis dans la merde. Mais je savais pas qu'il était mineur. Je savais pas. J'ai chié dans son cul, mais je savais pas qu'il était mineur, les gars. Il avait 13 ans, les gars, mais je savais pas qu'il était mineur. Les gars, il avait 13-14 ans. Vous avez les gens à 13-14 ans, on dirait des darons de 40 piges, ils ont plus de barbe que moi. C'est horrible. J'arrête, c'est des blagues déplacées. Ce sont des blagues déplacées. Mais elles sont drôles, ok? Cortex, Twitch Prime, parce qu'en fait, elles sont drôles parce qu'il y a vraiment des gens qui parlent comme ça. C'est... Arma, Nagra, merci mon vieux. 14 mois, Menz, 8 mois, merci mon vieux. Non, elles sont drôles, ces blagues, parce qu'il y a vraiment des gens qui parlent comme ça. Ok? Mais elles sont encore plus drôles quand vous les clippez hors contexte et que vous les mettez sur Twitter pour exister, pour sentir. Ok? Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. De toute façon, il faut être sub pour clipper. Il faut clipper. Faut être sub. Vous voyez, ils ont un avantage. Ils ont des beaux avantages. Ils ont des très beaux avantages. Ok? C'est un crack, le mec, t'es d'accord, le clear? Mais pourquoi je t'ai ban, toi? Pourquoi c'est moi qui t'ai ban? Ah, parce que j'étais vraiment salé, genre. Pour parler comme ça, déjà, j'étais salé. Je stream FTN. C'est quoi FTN? Ah, c'est la fin de son pseudo, underscore FTN. Attends, il est en live. Je peux rien faire. Il est trop nul. Hein. Oh,
On vient d'arriver sur live, il se fait éclater la cervelle. Oh là là, putain, on vient d'arriver sur live, le mec se fait éclater la cervelle. Désolé d'avoir fait de la pub, je n'en referai plus. Ah non, t'as pas l'impression, j'ai pas l'impression que tu vas plus en refaire, toi. Rocky Skynord, il a fait un Google Meet, cet enfoiré. Attends, il a linké un Google Meet, cet enfoiré. Pas très fort. Non, n'allez pas le raid, n'allez pas sur sa chaîne, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Les gars, je vais me faire ban Twitch. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ok, je vais me faire ban Twitch pour harcèlement. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Merci beaucoup. Ok. Le mec, il a niqué sa chaîne. Poubelle, oui. Mais on s'en fout. N'allez pas sur sa chaîne. N'allez pas lui dire truc négatif. Si vous voulez lui dire positif, allez-y. Mais je m'en fous. Mais juste, faites pas les cons. Merci. Attention, Karma, venez sur mon live STP. Je cherche des joueurs et des viewers. J'étais sur mon tel. Je suis parti aux toilettes. Mais mon cochon d'Inde en a profité pour faire sa pub. Ok. Ok, original, original. Il marque des points, il marque des points. C'est original, les gars. Il marque des points, il marque des points. Original. Les gars SVP, je suis nouveau sur Twitch. Je fais gagner un pass de combat pour participer. Vous devez me follow, c'est un pass de combat. Alors ça, par contre, c'est mort. Ça, vraiment, dégage, enculé. En fait, il y a à faire sa pub et essayer de racoler. En faisant genre, tu vas faire gagner des trucs alors qu'on sait très bien que tu vas pas les faire gagner, tu vois. Moi, mon frérot. Les derniers trucs que j'ai fait gagner, c'est un ordinateur à 3000 euros sur mon Twitter. Le dernier truc que j'ai fait gagner avant ça, c'était 4 Xbox Series S. Ouais, je sais. Le dernier truc que j'ai fait gagner, c'était 35 000 balles de matos. Et encore, vous avez même pas encore vu mi-juillet. Hein, mi-juillet. Oups. J'ai leak. Ok. Le jeu est badass, elle va mourir, la sexy RH rejoint quand? Je t'ai répondu frère, oui ça désinfecte. Elle va mourir, spoil. C'est pas du spoil, juste des prédictions. J'ai jamais joué, bah ferme-la. Car ça ressemble à du spoil. Idiot, putain. Les gars, genre en mode elle meurt à la fin. T'écris ça dans mon chat pendant que je joue à un jeu. Mec, bien sûr que je vais te ban ta mère. Bien sûr que je vais te ban. Ça ressemble à du spoil, réfléchis deux minutes. Moi, quand je vais lire ton message, je vais être deg si la meuf elle meurt à la fin. C'est comme si je disais, est-ce que Iron Man meurt à la fin de Avengers Endgame? Bien sûr qu'il meurt. Mais est-ce que je te le spoil? Non. Bon bah alors YouTube, on a du YouTube. Tout le monde spammait des liens YouTube, donc je l'ai fait, lock forever. Y'a rien sur sa chaîne. Il a quand même 1000 abonnés, ce bâtard, hein. Il botte, hein. Non, t'as fait que ça, toi, frérot. T'as fait que ça. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il ferait pas, ces clas... Qu'est-ce qu'il ferait pas, ces gens-là, putain. Salut, streamer Twitch. J'ai 17 ans. J'aime bien les jeux vidéo et les sports de combat. Je vis en Belgique. C'est un Belge, les gars. Code rouge. Code rouge, c'est un Belge. Hey, t'es un Belge, mais t'es un sacré forceur aussi. Hein. C'est bon, je voulais tester ta gueule. J'avoue, j'ai fait l'enfant, je recommencerai pas. Ok. J'ai voulu test, frérot. T'as mis 50 fois ta putain de chaîne de mort. Dégage. Idiot, mort. Go! Live spécial anniversaire. Attends. Les messages qu'il a mis, le mec. C'est incroyable. Le mec? Ouais. Le mec? Non, le mec dans sa demande de déban. Ouais, le mec? Ah bah, mais tu vas voir, vas-y. Attends, j'ai ban une meuf? C'est peut-être la première meuf que j'ai ban. Attends, c'est une meuf toxique? Je me suis dit, en fait, une youtubeuse me dit de pub sa chaîne et elle m'envoie des photos d'elle. Vraiment, désolé. Oh, mais toi, mes frérots. Bon, je suis un frérot, vas-y, t'es cringe un peu, mais vas-y, ça passe. Il est cringe un peu, mais vas-y, ok frérot, vas-y, fais ce que t'as à faire, t'es cringe un peu, mais bon. Il s'est fait jbay dans tous les sens, et moi aussi je me suis fait jbay du coup. Repousser, t'imagines, attends, je viens de réaliser, la meuf a demandé à un gars
Attendez. Oh merde, boum, ça vient d'exploser. La meuf a demandé, elle est trop intelligente, elle a demandé à un autre mec de spammer sa chaîne de merde sur ma chaîne pour pas que elle se fasse ban et pour pas qu'elle se fasse passer pour une méchante. Oh, c'est Fivehead. C'est comme quand j'ai commencé YouTube en fait. J'ai fait exactement la même chose. Quand j'ai commencé YouTube, les gars, je spammais sur les forums jeuxvideo.com et je me faisais passer pour quelqu'un d'autre. J'ai raconté ça déjà ou pas? Oui. Ou je radote? Tu radotes? Je radote? Oui. Non mais vous les gars, vous êtes là depuis 2000. C'est bon, cassez-vous. Je spammais, je créais un post jeuxvideo.com avec un faux pseudo et tout en mode oh putain, ce mec est trop fort. C'était en 2011 ça, les gars. Attends, j'ai pas l'impression d'avoir dit ça. Et du coup, mes potes, ils venaient, ils lâchaient des up en mode waouh, j'avoue, tu sais. Et après, genre, le pire post que j'ai pu faire, qui est resté genre une semaine, c'était le saviez-vous. Genre, mec, donc tout le monde cliquait dessus, tous les bouffons de jeux vidéo encore, ils cliquaient dessus. Et tu sais, tu tombais là-dessus et tu étais en mode j'ai découvert cette chaîne incroyable qui est twitch.tv ou le, non, c'était ma chaîne YouTube, youtube.com/loclear. Ce mec est trop fort, le saviez-vous? On a jamais tout le monde. Le bordel, il était en top commentaire. Les gens étaient là, mais ferme ta gueule avec ta chaîne de merde, tu nous casses tes couilles. Mais les trois quarts d'entre eux, ils étaient vraiment impressionnés parce que mon contenu ne pue pas la merde. Ok. Et donc quand les mecs ils arrivaient sur ma chaîne, ils étaient en mode waouh, tu vois. Repoussez, follow moi les gars, j'ai 7 followers. On s'en bat les couilles putain. Locke, c'est mon streamer préféré. Mais allez, donnez un peu de force à... Oh là là, t'arrêteras. Mais qu'est-ce que t'as fait d'autre en fait? Qu'est-ce que t'as fait d'autre en fait? Hein? Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? T'arrêteras, mais t'as rien fait d'autre? Oh putain. The Forest 3. T'imagines en 2021, t'es... Les gars, je suis désolé, hein, mais imaginez en 2021, tu fais un jeu comme ça. Moi, je suis dev, les gars, je suis un dev. Tu vois, je fais un jeu comme ça, les gars, qui me brûle les yeux, mais littéralement me fucked up les yeux, genre j'ai vraiment mal aux yeux. Ok, 2017, appelle ça comme tu veux, frérot. In the caverns beneath the earth. Et tu sais, genre, en plus, il fait trembler l'écran. Ce débile. Je sais pas, les gars. Après, le gameplay, il a l'air un petit peu mieux, non? Ouais, le gameplay est mieux, il est déjà mieux. T'imagines ton trailer, il est zoomé en x10. Imagine ton trailer, il est zoomé en x10 sur un jeu qui est pixelisé. Eh bah, bravo, frérot, t'as bien compris comment ça marche, ces pixels, hein. C'est moi qui les banne. J'avais le seum quand j'ai cliqué, je crois. Je crois que j'ai... Oups, je voulais juste troll avec mon trailer de merde pour voir sa réaction. Je pensais pas me prendre un gros ban. Mon âme exalte le Seigneur et pardonne mes péchés. Hosanna au plus haut des cieux. Montre ton petit cul. Je sais que t'as envie de voir mon petit cul, frérot. Moi aussi, j'ai envie de montrer mon petit cul. Mais j'ai envie de le monétiser, mon petit cul. Parce que pour le moment, mon petit cul, il est assis dans une BMW X5. Et je peux pas. Il a mal au cul, j'ai mal. Ok. Mon petit cul, il serait bien confortable dans une McLaren 700S. Et pour ça, il faut que tu claques ton Prime. Et que tu enlèves YouTube de ton putain de pseudo. J'aimerais être débanni. Car j'aimerais bien voir son petit cul. Faut croire en ses rêves. Mais vous en empêchez. Bah commence. On veut tous voir ton fiac. Par claquer ton Prime. Ouvrir OnlyFans, ce serait cringe, les gars. Ce serait très cringe que je fasse OnlyFans. En fait, les gars, j'ai pas besoin. En fait, vous savez ce qui est beau dans cette communauté, les gars? Laissez-moi vous le dire honnêtement. Ok? Il y a des gens, ils ont plus que ça de vendre leur cul. Moi, je suis pas obligé de vendre mon cul. Ok, je mets des tacles à personne,
mais je dis juste que en tant qu'influenceur, tu fais ce que tu as à faire. OK? Quand c'est un métier et c'est un métier qui on ne sait pas quand est-ce qu'il va, combien de temps il va durer, etc. C'est un métier risqué. Donc moi, j'ai pas besoin de me vendre mon cul, les gars. Vraiment, j'ai pas besoin de vendre mon cul, les gars. J'ai les meilleures marques avec lesquelles je souhaite travailler depuis que je suis plus tout petit. Bah, je suis trop content, tu vois. Je me force en rien à travailler avec aucune marque. Les gars, je choisis mes marques. Toutes les marques viennent m'approcher parce qu'elles savent que je suis le meilleur Avengers et de plus en plus, tu vois. Et les trois quarts d'entre elles, je dis non. Les trois quarts d'entre elles, je dis non. Parce que je suis pas obligé de vendre mon cul. OK? Donc, je vais pas faire OnlyFans, même si ça va tripler mes revenus. Je vais pas faire OnlyFans. OK? J'ai pas besoin de ça, ok? C'est bien de tripler ses revenus, les gars, mais à quel prix? Ok? Il y a un prix à tout dans la vie. Ok? Et je dis pas qu'OnlyFans c'est pas bien. Je ne dis pas qu'OnlyFans c'est pas bien, mais il y a un prix à tout. Ok? Voilà. Gillette, Gillette, mec, mais frérot, mais qui refuse Gillette? Tu crois vraiment que j'ai refusé Gillette? Gros, grâce à Gillette, mon daron, il me respecte enfin! Quel argument commercial, hein, t'as vu ça? J'ai travaillé ça à l'avance, hein. Mec, grâce à Gillette, mon daron me respecte enfin. Sans rire, hein. Je t'ai dit ça à premier degré. Mon daron, genre, il m'a vu sur les sites de Gillette, il a fait « Oh putain, mon fils, il a percé. Ça fait 3 ans que j'ai percé, papa! 3 ans que je vends mon cul et que je suis débite à Squeezie, merde !» 3 ans! Ok. Scan abruti, fais tes quêtes now, t'es éclaté, tu pleures trop, nul à chier, t'as pas le level, c'est tout. Demandé par le clear. Vous, Pierre, m'a banissé la première? Wow, franchement, je m'en balèque. C'est pour ça que tu fais une demande de déban. Hein. C'est pour ça que tu fais une demande de déban. Parce que tu t'en bats les couilles. Ou parce que tu rages, gros noobs. Non, il demande pas le déban. Je m'en bats les couilles, frérot. Je le débanne. Mec, en vrai, il a pas été ultra maxi toxique. Moi, les gars, je ne banne pas. En fait, je banne les fils de pute. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je banne les fils de pute. T'es pas un fils de pute, je te débanne. Ok? Désolé à tous ceux qui sont bannes, du coup, bah... désolé, hein, désolé à tous ceux qui... à toutes les mamans de ceux qui sont bannes, voilà, désolé. T'es sous coque? Bah, bien sûr que je suis sous coque, hein? Je suis même sous jambe de coque. Ok, c'était une boutade, Locke, était hyper vénère, bien excité de ouf, rien de méchant. Et du coup, j'ai appuyé, j'ai remué le couteau. faut pas ban pour ça, c'était une blague, sérieux. J'aime bien le personnage, je suis depuis un moment, mais ce soir-là, sur 10 minutes, j'ai halluciné comment il était. Tu es un personnage, c'est certain, mais une boutade faut pas ban. je suis désolé d'avoir posté un lien Discord, je n'étais pas au courant. Tu vois, lui, au moins, il a admis qu'il a posté. Il a pas fait genre j'ai mis oups, mon chien a cliqué sur le bouton pendant que j'étais au chiottes en train de chier mon meilleur boulard. Genre, c'est bon. Rimo 500 bits, merci mon vieux. Checkmate, fin de 7 mois, Bilan. Maintenant, je peux te faire des dons, je suis contente, le clear cœur. Let's go, baby. Les salaires rentrent. La CB existe. Achetez Gillette et votre père vous respectera. J'ai toujours acheté Gillette à mon père. Je suis pas payé pour vous dire ça, l'OP elle est terminée, hein, les gars. Je ne suis pas Spunso, partenariat, je ne suis pas partenaire Gillette, ok? Et j'ai toujours acheté Gillette à mon père. Et mon père s'est toujours rasé Gillette. Et mon père s'est toujours rasé à blanc, les gars. C'est un beau gosse, mon père. Vous l'avez tous vu sur Instagram, c'est un beau gosse, ok? Il y a aussi mon fiac sur Instagram, donc si vous voulez swiper, allez follow mon Instagram. One Piece supérieur à All. Non mais lui... Faut faire quoi, les gars? Mais qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait? Je comprends pas pourquoi il est ban. C'est parce que c'était un avis à mon gosse. Ah, et il a dit qui c'était? Et voilà, il a dit Squeezie de Genin. Ah, merde. Là, j'ai débanné tout le monde là en fait. J'ai ban des gens là déjà ou pas? Oui, ok, là j'allais être raciste. J'allais faire un truc raciste. Non mais j'allais faire un truc raciste. Je suis asiatique, je m'en bats les couilles, ok? Je suis asiatique.
Et qu'est-ce que je sais dire? Attendez, quand je suis parti en Chine, j'ai appris à dire. Non, chéché, c'est merci. Mais j'ai appris à dire. J'ai appris à dire. Putain, combien ça coûte? Ah, c'est ça! Duo Shao Shan? Je m'en souviens, putain! Duo Shao Shan. Duo Shao Shan. Ok, attends. C'est ça, hein? C'est Duo Shao Shan. Et ça, c'est combien ça coûte? À chaque fois, mec, j'arrivais dans les magasins et je faisais combien ça coûte? Et à chaque fois que je leur disais Duo Shao Shan, le mec, il me regardait. Quoi? Genre, tu sais, ça voulait dire d'autres choses, quoi. C'est à la rigueur, j'ai insulté sa mère, le mec, ça se trouve, tu vois. Bah, regarde, c'est Kian, mais ça se dit Xian. Duo Shao Shan. Duo Shao Shan, je sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Spam le même message en boucle, follow il y a une heure. Ça va, c'est bon, j'arrête. Ok. Pas grave si t'étais HRP. Oh, du GTRP, tiens. Au début, pas grave. Vert, full rose. Je stream, SVP, aidez-moi, bébé malade. Oh, oh non. Son stream est malade. Son bébé est malade, oh non. Oh non, il faut l'aider, les gars. Son bébé est malade. Il n'y a pas que son bébé qui est malade là. Oh. Gros chat, tiens! Parle! Il parle pas. Mais frérot, tu parles pas? Tu parles? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Il y a marqué un titre, pas de micro. Pas de micro, mais attends, mais il faut qu'on t'aide là. J'étais un micro là, c'est quoi ça? C'est bon. À droite, il parle. Je claquerai toujours. Il parle où? Chez toi, le clear cœur. Je brûle la cuisine avec vous, il y a marqué. Ah non, on ne dit pas jamais. Il faut que je lui achète un micro, ce pauvre garçon. Attendez, les gars, c'est pas possible. Discord Mafia, Twitter. Bonsoir, ici c'est le pire live de France, ne vous installez pas car il n'y a pas de chaise. Prenez pas de café à la machine, elle est cassée. On est poché, ok frérot. Hey, tu veux que je t'achète un micro? Attends, il fait sa pub sur mon stream et après je dois lui acheter un micro. Attendez, il y a un problème là. Venez mon bébé malade. T'imagines, là, ils sont désespérés. Mon bébé malade, il est en train de mourir. Venez sur mon stream, il est en train de sauver. Mon bébé va mourir! Pourriez-vous me déban? Je suis vraiment désolé, je ferai plus jamais ça, ok? Ce qui m'énerve quand ils parlent comme ça, les gens, quand ils font je ne ferai plus jamais ça, ça se trouve, il sait même pas ce qu'il a fait, le mec. Il y a trop de gens comme ça, à mon avis. Ils font genre. Ils montent la papate, tu vois, mais il n'y a rien, il n'y a rien derrière. Tu lui demandes, bah vas-y, qu'est-ce que ça fait de mal? J'ai trop spammé? Non! T'as spammé ta chaîne de merde! Sony Rice, 200 bits, merci mon vieux. Mec, c'est vraiment nul que tu finisses les jeux qu'on suit depuis plusieurs lives à 6h du mat. Je suis mec, pour le coup, t'as grave raison. Mais c'est aussi pour ça qu'on a une chaîne secondaire et sur la chaîne YouTube et tu vas t'abonner immédiatement car de toute façon, la semaine prochaine, tu auras ton gameplay à 60 Creed Origins. Ok? Et tu regarderas les 10 000 pubs qu'on est en train de mettre aussi sur chaque vidéo. Merci. Ok? Ok. Oh les gars, ça me fait trop rire. Tu sais, genre, quand tu ouvres une vidéo YouTube et que tu vois les trucs jaunes là. Je crois que sur notre chaîne secondaire, mais. C'est l'enfer quoi. Mais merci les gars, merci de regarder les pubs.
Ça paye mes monteurs, les gars, merci. C'est important. C'est important. Moi, je regarde des pubs. Hashtag, moi, je regarde les pubs. Quand je regarde les autres influenceurs, maintenant, je regarde toujours les pubs. Et parfois même, je clique même pas sur ignorer. Parfois, pour soutenir mon influenceur préféré, je clique même pas sur ignorer l'annonce. Je regarde l'annonce pendant 3 minutes. Je me fais laver le cerveau, comme jamais pour mon influenceur préféré. Vous savez pourquoi j'utilise Volvic ? Volvic, ce produit incroyable qui me permet de nettoyer les vitres. Incroyable, pendant 3 minutes, tu te fais laver le cerveau. Pour mon influenceur préféré. Duo Shaoshan, est-ce que un chinois peut me dire comment dire ? Ah, je vais demander à Henri. Je vais demander à Henri, les gars. Nique ta mère, Titouan. Un seul message et il insulte. Titouan, un message, follow depuis le 12 juin 2020. Claquez vos primes pour je parlais du groupe de rap. Désolé, je testais les modos et ils sont pas mal. Eh ben, il nous prend pas pour des cons, lui. Il nous prend vraiment pas pour des cons, lui. Morderie, joue, t'es nul, c'est trop skillé pour toi, va sur Fortnite, peut-être que tu seras plus fort. Mais qu'est-ce que vous avez avec Fortnite, les gars? Je suis bien meilleur que vous sur Fortnite, genre. Qu'est-ce que vous avez sur Fortnite? Jack on stream, 8 mois, merci Rimo pour 300 bits, X-Loge, 17 mois, merci les gars. T'es nul, c'est trop skillé pour toi, va sur Fortnite, d'accord? Que des messages de haine. Sale toxico. Il sait ce que c'est un toxico ou pas? Pourquoi il me dit que je suis un toxico? Bon, c'est bon, j'arrête de spam. Pourriez-vous me déban? Ah, il a pas compris. À 6h du mat quand même. Il est là. Mec, t'es ban parce que tu propages ta haine, gros bâtard. Pas parce que tu spams. Maintenant, claque-le ou je te claque. C'est un joueur pro Fortnite ? Ok. Tu te fais Kiri. T'es une merde. Dans les pires. Non mais arrête de jouer. Tu vas finir sur une défaite. Vraiment con celui-là. Non mais tu suces. Attends. Non mais tu te fais carry par un gold en plus. Imagine te faire carry par un gold. Se faire carry et ça joue support. La merde, my god. Ça se fait carry par du gold. De 5h07. Le mec pendant 30 minutes il était là. Pauvre merde. Eh hey, pauvre merde. Eh oh je suis là, pauvre merde. Mon petit frère avait le contrôle du clavier. Ok, alors, ça y est, Locke, t'as un niveau ok, mais tu parles mal aux gens. Pourquoi ? Askip le rank, ça veut rien dire. Appelle tes potes youtubeurs ou streamers MDR. Appelle tes potes Gotha, etc. Et gonfle pas, tu veux du niveau, vas-y. La vie, il rend fou. Jeu solo et rend pas fou, quoi. On a trouvé le nouveau French Monster un knockout. Attention, les gars. Un compliment. Lock New Monster de knockout. Tiens, retourne sa veste, les gars. Vous retournez vos vestes des fois, les gars. Vous retournez vos vestes à une vitesse, putain de merde. C'est un truc de ouf. Les gars, il me chie à la gueule. Et après, le nouveau French Monster. Tu sais, je fais une belle action. Oh, pog. Je fais une mauvaise action. Gros nul. Retourne sur Fortnite. Nulos. Tu pues la merde. À chier, Tazaria. Et là, je fais une belle action. Oh, pog champ. Oh. Tu fais rien, j'espère vous perdez. Merci, j'ai convaincu, ou tu pues la merde aussi, mon gars. Donc redescends. Ego, qui, lui ou pue la merde, on dit merci les mates et merci Gotha, etc. Le gars est bon sur deux jeux. Ça y est, il gueule dans tous les sens. Et les gars, merci, Crax. Merci, Eli Crax. Parce que grâce à toi, je vois que tout mon stratagème, toute ma manière de communiquer, et à chaque fois que je fais exprès d'énerver les gens en disant que je suis le meilleur, etc., ça marche.
Et c'est trop bien, mec. J'adore quand les débiles premier degré arrivent et ils font « Mais qu'est-ce qu'il est arrogant, ce garçon ? Ouh là là ! Mais il dit vraiment que c'est le meilleur Avengers ? Il sait qui sont les Avengers ou pas ? Ouais, c'est moi ! » Il y a un mec dans le chat, il a retrouvé ton truc de JVC, là. Non ! Si, si. Fais voir ! Je mets dans le chat, là. Ah oui, putain. Mais non, c'est pas celui-là. Ça, c'est Leclerc le Grand. 2013, quand même. Oui, mais ça, c'était mon pote, ça. Ziel, c'était mon pote. Yel. Ah ouais. Wirko le best, en dessous. Yeah, Wirko. Yeah. Fringe et Bapt. Fringe et Bapt, les gars. Fringe et Bapt. C'est que mes potes, ça. Ah, ça, c'était pas mes potes. Spoutnik, c'était peut-être mon... Spoutnik, je crois que c'est Skalk. Hey, les gars, c'était incroyable cette époque. T'es mal, maintenant tu fais un poste comme ça, tu te fais delete le poste. Ok, les gars, il est l'heure. Pas la peine de me déban. Une personne avec un ego pareil et qui tient des propos verbaux et haineux. Et j'en passe. En sachant que des gamins de 10 ans et plus regardent le live, je trouve ça déplacé. Tu es fort sur Knockout, Apex et Overwatch. Ça y est, tu es le... Attends, j'ai cru qu'il allait dire genre... T'es fort sur Knockout, Apex, Overwatch, Warzone, c'est grâce à tout ce que tu joues. Je peux te faire des dons et elle te kiffe. Voilà, gros bisous, Low Clear Cœur. Attends, j'ai retrouvé le tir. Et tu te sens plus pissé. C'est grave quand même, non? Enfin bref, bonne continuation. J'espère que tu finiras premier mondial. MDR, courage. Merci pour tes encouragements. Et je te recommande dans la vie un peu de légèreté. Slash second degré. Voilà. Loc, j'ai retrouvé ton poste. Vas-y, vas-y, vas-y. Tout le monde sait que c'est moi le meilleur. C'est un fait. Virgule, il n'y a pas d'ego là-dedans quand c'est un fait. Tu vois, petit gringalet que tu es, je suis musclé, grand, beau, fort, intelligent. Intuitif, furtif. Avengers. Bref, le meilleur Avengers. Tu devrais accepter la vérité. Je viens niquer ta mère. Oh ! Quoi ? J'arrête ici, je recommence, vous me bannissez la vie. Mais t'as le numéro de ma mère ? Kakashi Six Menin, merde. 20 mois, tier 3, merci mon pote. Magun, 5 mois. Non, je vois. Le saviez-vous ? Tartiflette du 78. J'ai découvert cette vidéo aujourd'hui sur YouTube. Je savais qu'on pouvait ramasser des kits, mais personnellement, j'avais pas pensé à ça. Et vous ? Attends, ne me dis pas que c'est le tuto, les gars. Tu as besoin d'un tuto pour te rendre compte que tu pouvais faire ça? C'est pas forcément une perte de temps, ça peut aider. Quel... Eh, Palpatine, on sait tous que t'es bronze, mais une merci, frérot, depuis 2012. Et tu fais genre, ok? Ça fait genre. C'est très utile quand il y a un char à proximité. Ça fait tous les PGM, les gars, mais vous pouvez tous la mort. Genre, c'est quoi, ça? Ils font tous les PGM. Mets-lui un timeout à lui, là. Mets-lui un timeout. Loft House, ça c'est mon pote, ça c'est mon pote. Enfin de l'astuce de la vraie. Attends, mais attends, c'est pas cette vidéo, elle est cringe de ouf cette vidéo. Bonjour tout le monde, c'est Loclear et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose extrêmement pratique et souvent délaissée, ce qu'on appelle le kit swapping, ou souvent vous m'entendrez dire dans mes... La voix n'a pas changé, il n'y a rien qui a changé. Bonjour, et j'ai dit bonjour tout le monde, hein, j'ai pas dit salut tout le monde, on se
30 abonnés à la vidéo. Non, j'ai pas dit ça. Ok. J'étais original déjà à l'époque. Par contre, ma typo, bah voilà, c'est... Vidéo, le switch kit. Le kit swapping consiste à échanger votre kit actuel contre... J'étais un tryhard à l'époque, calmez-vous, ok. Calmez-vous. Ok, calmez-vous. Vous voyez, c'est bien d'avoir des faits à l'appui, hein. Ouais. Parce que là, du coup, là, vous êtes là en mode... Il y a plein de gens qui disent que je m'invente une vie. Mais vous savez tout sur ma putain de vie. Et je radote tout le temps. Mais tout ce que je vous raconte, c'est vrai. Genre, je m'amuse pas à mytho, les gars. Ma vie est extraordinaire, c'est vrai. Je suis un cas social, les gars, je suis un putain de cas social. Oui, c'est vrai, oui. Et non, j'invente pas ma vie. Je suis un cassos, les gars. YoCraft, 5 mois, Marita, merci, sub offert. Marita, sub offert. Sacha Pi, sub offert. Merci les gars, installez-vous. Là, ça, l'Assemblée Générale, vraiment par contre. Non, c'est ça. En fait, tu veux dire ça lag. Ah! Pardon, j'ai été très méchant. Ta mère, ok. Toi, ta mère. Ok. 3%, non rien. Oh non, 3%. Bêta, oula! Et j'ai bien conscience que mon comportement était inapproprié dans un élan de folie en voyant le chat qui spammait. J'ai spam un site web en rapport avec le stream que l'un de mes amis a fait. Ça ne se reproduira plus. Non, je peux pas accepter ça, frérot. Je peux pas. Parce que tu chopes les IP de mes viewers, je peux pas. Ah bah là, il sourit, le seum s'appelle Loclear. Cake rageux, demandé par Loc. Allez, s'il vous plaît, j'ai deux messages gentils, deux messages moins gentils, ça s'annule. J'avoue. Putain, très bien ça. Jolie balance. J'aime bien, bien équilibré. T'es une merde, tu rages tellement. Toujours rager et tu niques la soirée. Oh, c'est un jeudi soir ça. T'es toxique à mort. Tu sais que le jeudi soir, il y a des gens, ils en peuvent plus de moi, les gars. Le jeudi soir, il y a vraiment des gens, ils n'en peuvent plus de moi, les gars. Sur le stream de Squeezie. Horrible et con. Toxique, je le redis. MDR. Follow pour insulter. T'es une merde, tu fais que de rager. Et tu niques la soirée de jeudi de Squeezie. C'est affreux d'être aussi toxique. Bonsoir. Jeune Padawan. Je tiens vraiment à m'excuser auprès de toi et toute la communauté pour mon insolence, mon mécrit mais ma toxicité. Ma bogossitude. Mon intelligence. Ma ruse. Ma muse. Ma virgule. Ok. Il est vrai. Il est vrai que parfois, je m'emporte un peu. Mais pardonne-moi. Signé Obi-Wan. Ok. Loc rageux, Loc rageux, Loc rageux, Loc rageux, Loc rageux, Doom 12 heures. Loc rageux, demandé par Loc. Je t'aime BG. Non, moi je t'aime. Oh, mais des mineurs! J'ai dit je t'aime à un mineur. Titre vidéo YouTube. Oh les gars, le titre de cette vidéo s'appellera J'ai dit je t'aime à un mineur. Ça tourne mal. Oui, entre parenthèses, ça tourne mal. On aura des clics au moins, on aura enfin des vues. Ça fera polémique, mais on aura enfin des vues sur YouTube. De toute façon, c'est tout ce que vous voulez sur YouTube. C'est tout ce que vous voulez, du drama et de la connerie. Alors, dans la rediff de Subnautica, il y a une voix off qui dit « Message d'un viewer, on peut faire où ça a été rajouté au montage. » Mais il est sérieux, lui? Attendez. Il y a un mec qui a donné des beats, tu sais, il a écrit un message et il pense que ça a été rajouté au montage. Oh non. Oh non.
Team Microsoft. Oh là là, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ça c'est, tu sais, ça se trouve c'est son école ou des trucs comme ça. Ça j'aime pas. Dites-moi ce que j'ai fait pour ne pas être ban. Pas de lien annexe. Ou je te bute. Ok, alors. En vrai, le chat est illisible, clear. Salut BG, rejoignez la stream. Bah oui. Bah oui. Il est lisible, donc autant rejoindre son stream à lui. Hein ? TV. TV. Désolé, je suis un pauvre con. Mes sincères excuses, je comprends si vous n'acceptez pas. Mais il sait ce qu'il a fait. Vous voyez, est-ce que vous avez le même sentiment que moi, chat ? J'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils sont en mode, non, j'étais qu'un con. Désolé. Ils savent, ils savent. Ils savent ? C'est marqué, quand il y a marqué, ils savent qui a ban et ils savent le pourquoi. Genre, si, genre quand Lidros, il marque par exemple Lidros pub, il y a marqué Lidros pub. Ouais, mais quand il dit, regarde, bonjour, excusez-moi pour mon message contenant un lien Discord. Un lien Discord, un lien. Il suffit juste, en fait, je vous explique la gravité de la situation. Il y a plein de gens, ils sont là en mode, ouais, mais un lien Discord, c'est rien, Loclear. Il suffit juste que un mec de 14 ans, ou de 15 ans, naïf, clique sur ce putain de lien, aille sur le Discord, rentre dans un channel random et se fasse lobotomiser le cerveau par un fils de pute de 24 ans. Il suffit juste ça. Et là, une vie ruinée, les gars. Une vie ruinée. Il y a vraiment des choses qui peuvent se... Il y a vraiment genre des malades mentaux sur Internet. Et mon job, c'est que de garder mon chat clean et aussi de vous protéger. Parce que vous, moi je suis un professionnel, je connais mon métier, je sais ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire, je connais les dangers de mon métier. Mais vous, vous êtes utilisateur, vous en battez les couilles les gars. Et vous êtes plus ou moins naïf, vous en foutez, vous êtes consommateur. Donc forcément, les gars, s'il y a des gamins de 12 ans sur mon stream et qui ne savent pas du tout et qui cliquent sur un putain de lien Microsoft Teams et qui se retrouvent dans une putain de conversation, c'est un culte. Et les mecs lui disent, alors là il faut que tu t'arrêtes de penser comme ça, il faut que tu penses comme ça et tout ça. Le mec devient complètement baboule à cause de ça. Bah bravo. Il suffit juste d'une fois. Et la probabilité que ça se passe, la probabilité qu'un truc comme ça se produise est énorme. Elle est énorme. Le mec clique sur un lien, c'est un virus ruiné. Ruiné. Le mec clique sur un truc en mode regarde V-Bucks gratuit là nanana, le débile de mon chat. Alors là vraiment faut être débile les gars pour cliquer sur un truc en mode hé hey, tu veux 12 000 V-Bucks gratuit, clique ici. Là les gars faut vraiment pousser. Mais t'as des gens, ils vont cliquer dessus, t'as des gens ils connaissent pas. Ils se disent bon ça coûte quoi de cliquer. Tu sais ils connaissent pas les dangers. Ils disent ça coûte quoi de cliquer. Alors ils cliquent. Au lieu de claquer leur prime, ils cliquent. Et là, les gars, ils se font défoncer, ils se font pigeonner, adresse mail, tout hacké, bah voilà. Et c'est un fils de pute, et à la base, c'était quoi? C'était un bouffon de mon chat. Ok? Donc c'est notre devoir à nous, les modérateurs, et donc vous pouvez tout de suite mettre des cœurs pour les modérateurs, qui sont aussi là pour ça, les gars. Ils sont là pour ça, ils sont pas juste là pour modérer le chat, ils sont aussi là pour vous protéger. Ok? Ils sont aussi là pour faire en sorte que vous ne vous fassiez pas baiser par des connards. Parce qu'il y en a sur Internet. Et croyez-moi, il y en a bien plus que vous n'imaginez des connards sur Internet. Des gens qui feraient tout et n'importe quoi pour faire 10 balles. Vraiment. Donc voilà. Donc c'est pour ça, lien Discord, tout ça, j'ai du mal les gars, j'ai du mal. Je sais que c'est pas volontaire et tout ça les trois quarts du temps, mais putain... Zéro, merci mon pote, pour les 6 mois, toi avec 200 bits. Bonjour, je m'appelle Stéphane et j'ai la solution pour vous faire gagner beaucoup d'argent KE. Non Stéphane, non Stéphane, merci Stéphane. Pépite, 2 mois, merci Tintin pour le tiers. Oh, Starex, 11 mois. Yolax, 14 mois. Tu es un jeune entrepreneur Stéphane? Ah bon? Comment je fais Stéphane? Attendez, comment je fais pour gagner beaucoup d'argent Stéphane? Expliquez-nous Stéphane, expliquez-nous. Tonix, 720, 200 bits, merci mon vieux. Jamais je vais soutenir un WoW qui est modo avec des cœurs. Jamais je vais soutenir un WoW qui est modo avec des cœurs. C'est quoi? C'est WoW le rouge? Tu veux que je le dégage? Vous voulez que je dégage WoW le rouge? À chaque fois les gars, alors qu'il modère bien.
Bonjour, excusez-moi pour mon message contenant un lien Discord. Allez, c'est bon. Oh là 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 là, dégage de ma vie. Pourquoi tu ne désactives pas les liens? Connard. Top world de connexion, top world de la connexion. Oh non, ça c'était dur ça. Ça c'était dur quand j'avais les bugs. Gros. Merci Frenzy pour les 500 bits. Flixios 500 bits. Merci Tonic encore. Merci mon vieux. Alors, ces derniers temps, tu bannes à tour de bras les gens qui te contredisent alors que tu joues un personnage qui taunt et troll ses viewers. Je viens de me faire ban car tu n'acceptes pas ce que je dise que ta connexion de Malte pue la merde. Pourquoi tu précises de Malte? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Ça allait très bien depuis le mois d'août, maintenant ça roule. Ça roule ma boule. J'ai eu 0% de drop depuis le début. Dégage, c'est juste ma connexion pue la merde. Tu vois? Mais ça, tu ne l'acceptes pas. Je suis en même temps sur plein de streams et il y avait des tiens, il y avait que le tien qui laguait. Belle mentalité. Bah, belle mentalité de venir dire que ma connexion pue la merde non-stop. C'est vraiment, ça va beaucoup m'aider, mec. Merci. Merci pour l'aide. Merci. Merci. Je suis assez frustré. Tu vois, ça, c'est des gens qui manquent d'empathie. Ils manquent d'empathie. Vous manquez d'empathie, les gars. Vous ne me mettez pas, vous ne vous mettez pas à ma place en mode. Pour gagner de la thune, je l'ai. Il suffit simplement de dégager Wall Rouge de tes modos parce qu'il n'est pas si utile que ça à part spam des KEKW dans le chat. Comme les autres WoW, n'oubliez jamais. Ok, 10 000 bits et je dégage le Wall Rouge. Vous pouvez faire une class action. les gars, vous pouvez faire une class action lawsuit. C'est-à-dire, une class action, c'est un regroupement. S'il y a un regroupement à partir de maintenant avec X temps de nom de bits, Wall Rouge dégage. Ok, des modérateurs. Voilà, mais 10 000 bits, ça coûte 10 000 bits de le dégager. Voilà, voilà. Et voilà. On le remet en VIP. Même pas. Continue comme ça à faire des sondages pour plaire au plus grand nombre, tu vas perdre tes plus anciens habitués. Bisous. Tellement habitué que tu n'es même pas sub. Que tu n'es même pas sub. T'imagines, je tu prétends être quelque chose que tu n'es pas. Je t'ai eu. Bon bah voilà comment gagner de l'argent, vous voyez les gens. Bye Wall Rouge. On est dans le hype train, hein. Hey Wall Rouge, hey, franchement, t'inquiète, tu toucheras ta part, t'inquiète. Comme ça qu'on fait de la... Hey, rentrez dans le train les gars, rentrez vite dans le train. Merci. Il est là au moins Wall Rouge. Il est là au moins. Il est là. Tiens, pour dégager Wall Rouge, KEKW. Eh, viens en vocal, Wall Rouge, viens en vocal. Ils auront un petit peu plus d'empathie pour toi, tu vois. Viens en vocal. Ma participation contre Wall Rouge. Qui c'est qui a donné 10 000? Tonic 720 t'as donné 10 000, espèce de malade. Bonsai t'as donné 5 000, mais vous voilà êtes vraiment. Les gars, vous avez lancé le hype train! Wall Rouge, tu vois comment t'es hype, frérot? J'espère que tu stream, hein, frérot, parce que t'as vu comment t'es hype? T'as vu comment t'es hype? Même l'hydros il a donné. Au revoir Wall Rouge. Merci mon pote, un amour. Merci les gars, merci les gars. Oh Wall Rouge il flex. Bonsoir. Allez, le chat se passe. Ok, j'arrête, fais la disparition de mon moto en plein live. Qu'est-ce que c'est cringe dans ce Fortnite? Sony 300 bits, merci les gars pour tous les bits. Bon, Wall Rouge. Ouais. Bye bye Wall Rouge. Oui, allô. Est-ce que tout le monde peut dire au revoir à monsieur Wall Rouge? Au revoir le chat. Des bisous. Je suis Wall Rouge. Hashtag je suis Wall Rouge. Oh. Poussade. Wall Rouge! Combien t'as tenu? Là, j'ai tenu 2 jours quand même. 2 jours? C'est beau. Presque le record. J'espère vraiment que tu tiendras plus longtemps la prochaine fois. Parce que. SADEGAGE. Parce que tu m'as rapporté beaucoup d'argent ce soir, sache-le. Ah, mais. Bah écoute, tu promets vos doigts à chaque fois, mais. Let's go quoi. Yeah.
Ou le rouge. Merci d'avoir été un soldat de merde pendant deux jours. Est-ce que t'as fait un sondage? Ah, j'ai pas eu besoin. Est-ce que j'étais t'as fait un, une prédiction? Ah, j'ai pas eu besoin. Est-ce que t'as fait un ban ou un timeout? Ah oui, quand même. J'ai supprimé quelques messages, quelques Théo. Pas un ban. Pas de ban. Je débute. Pas de ban. Les gars, en tout cas, merci Wolle Rouge, tu as fait exploser le hype train. Merci Wolle Rouge pour ton service. Merci Wolle Rouge pour ton service. Au revoir Wolle Rouge. 10 000 bits si je ban. Je rigole. Ok.